Blessed be the name of the Lord. Amen, amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Êtes-vous venu ce matin pour le louer? Oh, il mérite gloire, il mérite louange. Honneur, exaltation à l'Éternel. Praise be to God, amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous mettons debout ensemble, il y a pour vous, nous, dans Psaume 1er. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Praise God. On a prié, prié pour Frère Jean-Marc pendant qu'il est en route, l'a venu. Et on a un inconvénient, parce qu'il est presque arrivé. Amen. Gloire à Dieu. Dans Psaume 1er, il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui. Qui ne s'assit pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. Amen. À la ruine. Amen. Gloire à Dieu. Père, c'est les yeux, auteur de la vie, auteur de la parole. Nous te disons merci pour ta grâce, ton amour envers nous. Oh, bah nous chantons ça. Père, c'est les yeux pour que nous là matin, pour nous continuer à adorer le Seigneur. Oh, Père, nous te merci. Bénis-nous avec nous, Père. Prends contrôle tout service, là, Seigneur Dieu. Gardez ça qui est en route qui a fini et ça qui est déjà là, Seigneur Dieu. Prends contrôle, musicien, directeur chant, prédicateur, nous, Seigneur Dieu. Et chacun de nous-mêmes qui l'a réuni là matin, Seigneur. Prends contrôle, nous, Père Céleste. Tout ça que nous va faire va glorifier, non, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Nous te merci une fois encore avec nous. Bénis-nous dans le nom précieux, Seigneur Jésus-Christ qui est mort, maintenant qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue, l'Esprit Saint. Mets-nous la présence où? Mets-nous la présence où? Lève-moi, lève-moi, j'ai plein-nous à puissance où? À tout cœur nous, à tout nous-mêmes, on nous welcome le Saint-Esprit ce matin. Bienvenue l'Esprit Saint.
présence, Lord. Mets-nous la présence sous. Mets-nous la présence sous. Plais-nous à puissance sous, papa. Plais-nous à puissance sous. Minerai dans nous. Oh Lord, bienvenue l'Esprit Saint. Nous ensemble, enlevez-moi nous ensemble, on dit. Oh, c'est de l'eau vivante, sous l'eau, pas de jambes séchées, non, non. Oh, sous l'eau, pas de jambes séchées, alléluia. L'esprit réconfort, dans la guerre au Bali, levez-moi la présence. Parlez avec lui. Parlez avec lui dans le moment ça. Dites merci. Amen. Et demandez pour le révéler. Plus toujours. Demandez pour plus révélation de saison. Amen. Bagaille, des bagailles qui cachent toujours, peut-être pour comprendre. Prenez pour un moment ça. Demandez pour qu'elle continue à révéler. Demandez pour qu'elle rende les bagailles toujours plus claires pour vous. Promesse. Amen, alléluia. Car c'est pour yoyer, mes frères et sœurs. C'est saison pour réclamer chaque promesse. C'est saison pour, mes frères et sœurs. Oh, gloire à Dieu. Il y a des bagailles qui pourraient le dire. Il y a des bagailles qui disent déjà que pour qu'on comprenne. Amen. Mandez le matin même pour que l'ouvre une compréhension plus. Amen. Pour qu'on capte, saisir chaque parole, chaque bagaille qui
déjà dit et qui pourra le dire. Oh, gloire à Dieu, il est ici ce matin. Il est là ce matin. Il est venu pour venir répondre à besoin. Gloire à Dieu. Juste parler avec lui. Merveilleux ce matin. Amen. Amen. Oh, voilà, un grand Dieu m'a servi. Alléluia. Voilà, un grand Dieu m'a servi. Oh, un Dieu coupé de vent, ni celle la terre adoré. Voilà, un grand Dieu m'a servi. Oh, voilà, un grand Dieu m'a Oh,
chanter, chanter. Oh, I am God, you not serve me. Oh, 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 yes, oh yes, so oh, mets de l'huile dans ma lampe, fais la prière. Yes, oh, oui. Oh, mets de l'huile dans ma lampe, et la mienne. Oh, 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 mets de l'huile dans ma lampe, fais la prière. Oh, yes, et fais la prière jusqu'au matin. Oh, mets de l'huile, mets de l'huile dans ma lampe, fais la prière. Hallelujah.
Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Sentez-vous l'onction ce matin? Amen. 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 Dieu est ici. Yes, Lord. Amen. Merci, Seigneur. Oh oui. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, ce que nous avons invité Frère Nego pour avancer, capable de porter un témoignage avec nous matin. Amen. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Donc, moi, je voulais dire nous, ça qui est passé dans le service dimanche là. Pendant que je suis là, je prié. Et puis, moi, je suis un personnage pareil. Et puis, il dit, moi, je viens là, je casse en pile chaîne. Oui, je casse en pile chaîne. Il y a en pile chaîne qui brise. Et puis, il dit, mais. Mon yo manque comprendre moins, yo pas comprendre moins, parce que l'aime briser chaîne comme ça pour yo pas témoigner de ça, yo pas dit ça. Et puis pendant il continuait la parler, et puis n'a service d'avis n'a pas adoré, et puis moi un foule mon a rentré dans l'assemblée. Mais gen moun ki ote ça, gen moun ki ote ça, gen moun ki wo ki rentré. Et puis m'a regardé, mais moi c'est frère Paul, parce que par contre Paul, c'est Paul, frère Paul, qui est entré là, il n'a pas adoré ensemble avec nous là. Et puis il n'a pas adoré, pourtant il n'a pas adoré, il n'a pas adoré ensemble avec nous. Et puis, il y a un bagage qui vient passer. Et puis, même côté, il y a tout le monde qui est entré là, il prend là, mais c'est là où il passe. Il passe là, n'importe ça, pour sortir, nous tous lever, suivre, il dit nous en aller. Là, nous paraître dehors. Regardez, on sait que des bagages qui tombent tant comme c'est éclair. Cap tombé à terre, mon a couru par-ci par-là, et puis il dit nous pas besoin de peur non, et puis nous braler, et puis il traversé avec nous, et puis moi il y a un bar qui fait tant comme son il fait même j'ai avec on pas expliquer, il y a un bar qui fait tout tant comme son on caille, et puis c'est il entré avec nous, on pas ouais porte rien là-dedans, il est entré pendant même rentré nous rentré, et puis il fait en errant, et puis va tomber sous lit, ça tomber sous lit, ça m'a tiré, tombé sous lit et puis au glissé, du fait, ouais du fait a tombé sous lit, a glissé et descend, puis nous rentrer, là nous rentrer, regardez petit groupe monde qui en dedans, petit côté toute foule monde ça qui t'aide ou qui t'a couru venir, un petit monde m'a regardé qui rentre en dedans, et puis après ça nous sorti dans vision, amen, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Bien-aimé, Dieu a travaillé. Amen. Est-ce qu'on croit ça? Alléluia. Eh bien, what the group moun sa faut négocier ouais dans vision, yes, c'est vous même. Alléluia. Il parle. Amen. Yes sir. Amen. Glory. Balle met à tirer, missile met à tomber, du feu tout côté partout. Yes sir. L'épouse là nous protéger, nous pas gagner. Amen. Pour qui ça? Parce que nous sommes déjà dans l'éternité. Amen. Et nous rentrons dans le pays éternel. Alléluia. C'est route nous ça. Amen. Amen. Yes, nous pas gagner rien. Yes sir. Nous protéger. Alléluia. Parce que ce matin nous sommes de retour au pays de la gloire. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Thank you, brother. God bless you. Amen. La colonne de feu se déplace. Frère Junior. Oh, suivant la colonne. Oh, suivant la colonne. Alléluia. Oh, la colonne de feu se déplace. Oh, suivant la colonne. La colonne des feux se déplace. Suivant la colonne, oh. Suivant la colonne. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous fermons les yeux, coupez tête, nous allons faire génial pour vous fondre. Colonne de feu se déplace.
colonne de feu se déplace. Ensemble, en suivant ce chemin-là, une nouvelle vie tu recevras. En suivant la colonne, Alléluia, oh, loué Dieu, il t'a sauvé, moi. Oh, l'aime songer, en bonté, Jésus pour moi. Oh, et toute bénédiction devant moi. Oh, n'enfant que moi, moi, crié. Alléluia, oh, loué Dieu. Alléluia, oh loué Dieu, il t'a sauvé. Oh l'aime songer, la bonté, Jésus pour moi. Oh et toute bénédiction devant moi. Oh Lord, dans mon cœur, moi crier. Alléluia, loué Dieu, il t'a sauvé. Alléluia, oh, et ta bénédiction devant moi, oh Lord, oh l'enfant que moi crier, alléluia, oh loué Dieu, t'es sauvé, oh l'aime songer, oh la bonté Jésus pour moi, et ta bénédiction devant moi, oh Lord. Alléluia. Loué Dieu, il est sauvé. Alléluia. Gloire. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. Amen. Merci Seigneur. Matin, un jour, on a utilisé notre corps pour parler avec nous. Disposez l'esprit ou mettez-vous prêt. Amen. Afin que vous soyez capable d'entendre les noms cités d'ailleurs. Alléluia. Amen. Alors, ce que Frère France a préparé pour l'avancer, nous avons chanté une chanson ensemble. I'll feel Jesus. I feel Jesus. Do you feel him this morning? Let's go. Amen. Cette présence ce matin. Yes, sir. Amen. I feel Jesus. Oh, I feel Jesus.
Jesus. I feel Jesus. Que sa présence est ici ce matin, mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous comptons pour que nous voyons chacun de nous qui est présent le matin. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un plaisir pour que nous réunis, pour que nous communions ensemble autour de la parole. Et je crois que c'est une joie pour nous-mêmes tout. Amen. Praise God. Et nous disons merci à Dieu. Merci au pasteur qui permet que nous aider à pupitre le matin. Et Dieu a inspiré de cette manière, donc il laisse aller. Et nous croyons que ce matin, le même esprit qui est dans le pasteur est aussi derrière cette chair pour vous parler. Ce n'est pas deux esprits, mais c'est toujours le même esprit en cap travail, mes frères et sœurs. Dans le huitième âge, ce n'est pas
c'est pas quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Christ lui-même. À travers chaque prédicateur, à travers chaque homme et qui vient pour apporter la parole, c'est Christ lui-même, mes frères et sœurs. Christ pas qu'à faire sans les hommes, ainsi il utilise la chair des hommes pour qu'il parle avec vous. Amen. Et aussi nous remercier les musiciens, directeur chant, nous remercier nous toutes qui viennent matin, donc qui chita pour entendre la parole. Amen. Combien d'entre nous qui t'a apprécié le service dimanche dernier? Avez-vous été béni, mes frères et sœurs? Moi, t'es béni, mes frères et sœurs. Le sujet était au temps de la fin. Michael et Gabriel sont de retour pour révéler la vision à l'épouse. Et sans connaissance, on peut pas aller nulle part. Il y a un monde qui pas contre côté lié. Il pas contre côté sautil, pas contre côté le pralé. C'est un monde déjà qui perdu. Si on a pour un monde, on met ton pays étranger. Un pays qui pas pays pas où et puis au place son côté ou pas une pièce boussole ou pas une pièce en un main ou pas il était bandé yeux l'autre après aller pas même compte qui côtoyer donc nous sommes qui déjà perdu parce que par contre qui côté sur côté sorti ou par contre qui côtoyer et ou par contre qui côté braler on nomme comme ça son homme qui déjà perdu mais grâce à Dieu alléluia nous connaît qui côté qu'une sorti nous connaît qui côté que nous y nous connaît qui côté qu'une braler. C'est pour cela Gabriel et Michael ont fini et ont révélé nos visions. La révélation, c'est une connaissance. Et ça vous donne de l'assurance qui est la foi. Pour qu'on ait côté que vous pouvez aller assurer certains, vous connaissez qui vous a privé. Vous connaissez qui côté que Dieu a placé. Pas gagné de contraire qui a ébranlé, mes frères et sœurs, sur le chemin. Vous êtes en route pour la gloire. Et déjà, vous êtes dans la gloire. La parole est la gloire. Vous êtes de retour au commencement, de retour à la parole. Nous avons retrouvé notre gloire. Vous êtes glorifiés ce matin. La gloire est ici. La gloire est maintenant même ici. C'est une réalité, mes frères et sœurs. Sans cette gloire, pour ça qu'a passé dans le monde, ça n'a pas ta plan encore. Mais vous êtes couverts, alléluia, par cette gloire. J'aime la vision de frère Nego. Vous êtes couverts par cette gloire. Nous entrons dans la gloire là. Vous quittez la terre et vous entrez dans cette gloire. Et pas gagné que passer sur ça qui concerne vous. Tout ça qui concerne, ce sont les choses d'en haut, mes frères et sœurs. Ce sont les trônes, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, la vie éternelle, la santé éternelle, le corps glorifié, la théophanie, la nouvelle cité, la nouvelle ville. C'est ça yo, qui intéresse nous. C'est ça yo, qui concerne nous matin. Et nous disons merci à Gabriel. Merci à Michael. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Et mercredi, Elohim ne deviendra pas de son plan. Ça, c'était le mercredi dernier. Elohim pas dévié plan. Quel que soit ça qui a passé dans le monde là, Satan a essayé de faire un bagage pour voir est-ce qu'il est capable d'essayer de dévier nous sur route là. Mais dans la même semaine, ça a fait un prêche un message. Il dit que n'importe ça, Satan fait, c'est pour accomplir la parole. Ce que Satan fait, c'est pour accomplir la parole. Les Satan pensent qu'ils font un bagage, c'est mal, il faut bien le dévier. Mais au contraire, c'est pour votre perfection. Satan réjouit parce qu'il voulait prendre le corps de Jésus sur la croix. Mais c'était pour notre délivrance. Et c'est là que Satan casse le bec. Là qu'on a remporté la victoire. Et puis le temps des portes l'a frappé. Et maintenant nous avons les clés de la mort. C'est nous-mêmes qui éclairons. C'est nous-mêmes qui vous ouvrons. C'est nous-mêmes qui vous fermons. Alléluia. Praise God, amen. Dans l'épreuve où vous dans la situation que vous avez, son situation qui pouvait au plus haut. Si vous ne descendez pas, vous ne pouvez pas monter. Si vous êtes déjà en l'air, vous n'avez pas besoin de monter encore parce que vous êtes déjà en l'air.
Mais si on descend, si on a une situation qui a personne ou de ou descend, qu'on essaie de monter auprès pour monter. Et puis on descend, c'est plus on monte. Plus c'est preuve la plus dure, c'est plus gloire, plus toujours. Elohim pas de vie de plan. Même si on a quelques situations, Elohim pas de vie, mes frères et sœurs. Alléluia. J'ai été béni, mes frères et sœurs, par ces inspirations. Frère Pierre-Michel, pasteur, que Dieu te bénisse. Avez-vous été béni? Appréciez-vous le pasteur? Alléluia. Praise God, amen. Amen. Alléluia. Et pour vous asseoir, donc il m'a profité et bah un témoignage. Et donc, je remercie le Seigneur. Et pour ma petite fille. Donc c'est un témoignage qui m'a donné pendant 2 semaines. Donc Dieu t'a banou bébé. Donc bébé a fêté une année anniversaire et mois dernier. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. Nous bal gloire pour ça. Et vous même qui t'es prié pour nous. Nous disons Dieu merci. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Praise God. Et nous croyons que Dieu lui-même l'a fait ça pour chaque monde qui peut être besoin de bébé dans la famille. Quel que soit côté que vous ayez dans le monde là. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire la parole. N'a mettez debout, n'a plus trois portions d'écriture. Et n'a plus dans 2 Pierre 1, 4, 7, Apocalypse 21, 9 à 10. Et puis Colossiens 3, verset 1 à 4. S'il le faut, nous allons toujours prendre 5 là pour quelques commentaires. 2 Pierre 1, 4, 7. Verset 4 jusqu'à 7, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ou bien par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance. À la connaissance, la tempérance ou la maîtrise de soi, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel ou l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, la charité. Amen. On nous lit aussi Apocalypse 21, verset 9 jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Apocalypse 9, pardon, mais c'est Apocalypse 21. À partir du verset, puis un des sept anges qui tenait les sept couronnes remplies des sept derniers fléaux vins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il dit, pour le vini, la montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Et il va montrer l'épouse. Il va montrer l'épouse qui s'en montre, il montrer la ville sainte. Amen. Colossiens 3. Colossiens 3. Donc, on lit des premiers versets, c'est pour qu'on fasse quelque chose, mais mes portions clés, c'est Colossiens 3. Colossiens 3 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car si vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, à partir du verset 1er. Maintenant, nous lisons verset 3. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, il dit,
quand Christ, votre vie, vous dites, quand Christ, virgule, votre vie, Christ est votre vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Coupez tête, on nous prie ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Père Céleste, pour ta grâce, pour ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Que tu ajoutes la bénédiction à ta parole, Père Céleste, que nous sollicitons, Seigneur. Père Céleste, et cher Sarah, Père Céleste, est présenté derrière ce micro, Seigneur. Nous ne connaissons pas qui ça pour nous dire, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire, Seigneur Jésus. Mais, Père, toi, Père Céleste, qui a toute connaissance, qui peut ouvrir la parole, nous demandons pour que tu prennes contrôle, cher Sarah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour étirer le Père Saint, pour que vous parlez, Seigneur Jésus. Car ces gens qui sont présentés ici, ils ne sont pas venus là pour perdre du temps. Ils ne sont pas venus là pour entendre de homme, Père Céleste, mais ils sont venus pour entendre de eux-mêmes, Père Saint. Fais en sorte que vous entendez de vous-même matin, Père Céleste, que vous puissiez vivifier, Père Saint, que vous puissiez dire quelque chose, Père Céleste, qui pourrait renforcer, Seigneur Jésus, que vous puissiez les réalités de ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Père Céleste, que vous puissiez fait matin, Seigneur Jésus, pour Père Céleste, être capable, sûr et certain, Père Céleste, que vous là, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons, Père Céleste, que ta présence remplit l'espace, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit tombe, Père Céleste, alors que nous apportions la parole, Seigneur Jésus. Et Père Céleste, et même après, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit continue à se déverser, Seigneur Dieu. Oui, Père Céleste, que ouvre les oreilles, Père Céleste, que ouvre l'esprit, Seigneur Jésus. Que parole pas dans la tête, Seigneur Jésus, mais qu'elle descende dans le cœur, Père Céleste. Et siéger là, dans le cœur, Seigneur Dieu. Et chaque assemblée qui est réunie matin, Père Céleste, qui va faire même bagarre parmi eux, Seigneur Jésus. Oui, Père Céleste, nous mettons tout service à nous, prêcher pour nous, adorer pour nous, ouvrir compréhension, nous, Père Céleste. Nous prions ici au nom de Seigneur Jésus-Christ qui vit et qui est dans tous les siècles. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Amen. Sujet nous matin, hein? C'est la réalité de la parole vivante prête à se manifester en nous. La réalité de la parole vivante prête à se manifester en nous. Amen. Et inspiration nous, nous avons besoin d'une expérience. Amen. Nous avons besoin d'une expérience. Et on a commencé comme ça, on a commencé avec une introduction ça, on a commencé vraiment lent, son manière pour que lorsqu'on a dit des choses, d'autres choses pour qu'on soit capable de saisir et comprendre. Amen. Donc, nous dit sujet nous, c'est la réalité de la parole vivante. Mais qu'est-ce qu'une réalité? Il y a une réalité. C'est le caractère de quelque chose qui est réel, mes frères et sœurs. Bon, mais c'est moi si je suis capable d'entrer dans un langage qui est habituel pour que je sois capable de saisir exactement ce que je voulais dire. Amen. Oui, Seigneur. Pour comprendre la réalité en bagaille, il faut qu'il vive la chose. Il faut qu'il fasse expérience avec la chose. C'est la raison ça qui fait me dire nous avons besoin d'une expérience. Pour entrer dans la réalité, ça a besoin d'une expérience. Si on parle de par exemple, si je parle au monde de la France, moi, si je parle de la France, moi-même, quand je campe, je me dis, mon cher, mais qui j'aime la France, mais qui j'aime la France. Si je bon, je bon, pile le détail de la France. Mais tout détail, ma boy, c'est des détails intellectuels que j'ai. Parce que moi-même, bah, j'aime mal la ou bien même en Haïti sont allés là sauf moi dans mon comme États-Unis mon cher qui est trop parole pour mon n'importe des États-Unis alors que le pareil mais puis les États-Unis ça c'est une compréhension intellectuelle mon n'a gain dans tête li comme ça mais mon n'a pas jamais vivre réalité mon n'a pas jamais vivre expérience si moi même qu'a parler de n'a pas parler de la France par exemple et puis bon tout ça qu'on comprend de la France mais si ma jeune sœur Michou pour parler de la France, c'est là pour l'autre bagaille. Et moun sa yo, même si yo parle de la France, ou pas, j'aime qu'à comprendre la France, jusqu'à ce que yo même ou à la France, ou à vivre la France. Jusqu'à ce que yo à la France, ou gon expérience de la France. Même si c'est un monsieur explique, on dit la France, mais qui j'en lis. Parce que moi même, quand je explique de la France, hein, soit au monde qui dit, son monde qui explique, tout son monde qui fait expérience qui explique. Mais c'est pas parce que ma la France, vive la France. Et au monde qui fait expérience de un bagage, puis comprend ni par rapport avec au monde qui raconte, au monde qui dit.
un petit exemple simple, frère Nego. Ça a été aux États-Unis, l'autre en Haïti, ya ou met quem. L'ovin là, on a dit, mais tel bagaille a été zou, mon cher, soit te comprenne, c'est pas ça. Pour qui ça s'est fait comme ça? Parce qu'on fait une expérience aux États-Unis. Et plus on fait expérience dans le pays, c'est plus on va entrer dans la réalité du pays. Il y a un monde qui gagne 10 ans aux États-Unis avec un monde qui gagne 6 mois, c'est pas la même chose. C'est vrai, tous deux mondes font expérience aux États-Unis. Mais moun ki gen 10 ans, li gen opportunité pour faire plus expérience aux États-Unis. Et la comprendre réalité américaine nan pi bien par rapport avec moun ki gen 6 mois ou bien par rapport avec moun ki pa jamais visité États-Unis. Jusqu'à maintenant là, m'ka fè un voyage touristique en France, m'fè une semaine, deux semaines, même pas jamais ka comprendre réalité française an, même Jean Assou Michou. Qui fait ti moun là, qui fait d'autres choses là, travail là, etc. Eh bien, Jean Moëlier dans le naturel là, ou me descend comme ça pour que nous comprenne. Oui. Mais c'est comme ça que lié dans le spirituel. Alléluia. Aussi. Amen. Merci, Seigneur. C'est la vérité, oui. Pour me faire nous comprendre quelque chose, ben me prendre une citation de frère Brenham. Oui, Seigneur. Vaut mieux que me prenne 15 minutes me dire quelque chose ou saisir ou bien comprendre, au lieu que me prenne 30 minutes une heure de temps et pour ou c'est vrai, c'est bien, faut voler, faut danser pour adorer et vous pas comprendre rien. Mais même si vous pas comprendre tout, adorer, compréhension à venir après. Amen. Non, dans brochure ça, frère Brenham prêchait brochure ça qui est pour titre la foi par l'expérience. Brochure ça de moi. La foi par expérience que frère Brenham prêché dans paragraphe 12, mais c'est dans fin paragraphe là. Donc c'est que vous voulez mon petit détail de Bouchulan. Donc il prêchait le 25 mars 1958 à Middletown, Ohio, USA. Dans paragraphe 12, à la fin paragraphe là, il dit: d'habitude, il faut une expérience. Il dit: souvent nous essayons de croire par l'instruction. Et puis il dit: c'est intellectuel. Il y a une très grande différence entre la foi intellectuelle et la vérité et la véritable foi envoyée de Dieu. Il dit: la foi intellectuelle résonne. Il dit: d'habitude, nous besoinons expérience. Parce qu'il dit en pile foi, nous essayons de comprendre, nous essayons de croire par l'instruction. Par ça, on nous dit, par ça, nous apprenons l'école, par ça, écrit dans le livre. Il dit: ça, c'est de l'intellectuel. Et puis, il dit: il y a une grande différence entre la foi intellectuelle, foi ça que vous saisissez peut-être par rapport à ça, on nous dit. Il y a une grande différence avec foi ça et la vérité, et la véritable foi envoyée de Dieu. Lorsqu'on fait expérience, ça augmente foi, mes frères et sœurs. Si tu es malade ou guéri, ça augmente foi. C'est raison ça pour laquelle faut pas jamais critiquer un monde où est qui tombé. Parce que monde qui tombé, qui levé, il est plus fort parce que monde qui pas jamais tombé. Parce que moun ki tombe ya, moun ki pa jam tombe ya, les jours tombe pa gen d'ici la ka leve. Mais moun ki tombe ki leve ya, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de différent. Et ça a augmenté foi moun sa parce que l'ouel tombe le leve, li remporte la victoire. Lorsque la tombe non l'autre bagay, li même foi sa ka habitise pour le relever encore, mes frères et sœurs. Ça c'est une foi qui bâtit sur l'expérience. C'est une expérience que moun a fait et expérience sa ba grandi foi moun sa. Et nous même matin, nous besoin yon expérience matin. Expérience ça nous besoin, c'est l'expérience du Saint-Esprit. Amen. C'est l'expérience ça que nous avons besoin. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse connaît que Dieu relève pour que lui délivre le peuple Israël. Moïse connaît ça. Moïse connaît ça très bien. Maman apprend ni ça. Maman, chaque fois que je parle avec lui, dit: moi,
Mon cher, vous connaissez Dieu choisi pour qu'on délivre le peuple d'Israël, pour qu'on fasse quitter le pays de l'Égypte, pour qu'on fasse quitter l'esclavage. Il enseigne ça, Moïse compte ça. Mais Moïse gagne ça de manière intellectuelle parce que c'est Dieu qui dit ça, maman qui dit ça. Mais Moïse, pour qu'on ait une révélation de ça. Cette foi est tellement intellectuelle parce que foi intellectuelle là, elle est trompée. Il faut aller à faire quelque chose de par de vous-même. Vous dites, mon cher, je vais pouvoir sur tout le monde. Et puis, frère, il faut que vous dites, t'es parti. Et puis, le gars, t'es là, il est là, manqué, je suis tout le pantalon. C'est pas comme ça. Ça, c'est la foi intellectuelle. Ou qu'on ou pas, où est le chien là, ou le devant chien. Et vous faites, t'es parti. T'es pas parti. Et où est parti? Où est-ce que t'es couru devant t'es chien? Donc, foi, ça, c'est tellement intellectuel au point où Moïse, ouais, il a maltraité deux. Et de juifs. Et puis là, elle est tuée et je sais qu'il t'a maltraité. Parce que monsieur a utilisé de l'intellectuel. Puisque son foi intellectuel, il utilisait profospal pour que le combatte. Il utilisait plus que les gens qui entraînaient, les dans l'armée pharaon, les gens qui font bon entraînement. Il utilisait capacité pâle pour faire ça. Dieu dit que le prêt à utiliser pour le faire. Mais bon, nous avons un bagage. Lorsque Dieu dit que le pral font bagarre avec vous, il pas précisé pièce dans capacité ou. C'est lui même encore cap descendre cap voile dans même cap faire mes frères et sœurs. De la même manière, il était veut utiliser Paul. Il pas utilisé les capacités de Paul. Il dépouillait Paul de toutes ses capacités et puis voile dans Paul pour révéler tes mystères. C'était Christ en Paul qui parlait. C'était Christ en Paul qui révélait les mystères. Christ n'a pas utilisé la capacité de frère Branham. Il n'a pas utilisé la capacité de frère Coleman. Il n'a pas utilisé la capacité de personne qui n'a qu'à suivre le ministère. Il n'a pas utilisé la capacité intellectuelle le matin. Non. Il a utilisé la propre capacité par la puissance du Saint-Esprit pour lui parler le matin. Et bien, mes frères et sœurs, continuons avec Moïse pour que mon papa ait du fil. Alléluia. Plus tard, Moïse allait avoir une expérience. Moïse pourrait avoir une expérience plus tard. Alléluia. Pendant Moïse a marché comme ça, il y a du feu qui a boulé. Du feu allumé. Et puis, quand il dit feu allumé, il tout bois. Il y a bois pour prendre du feu. Ça, c'est quelque chose d'inhabituel. Ça, c'est une réalité que Moïse n'a jamais rencontré avant. Ça, c'est une nouvelle expérience pour Moïse. Moïse ne peut pas entrer dans la réalité. C'est ça qui fait ça surpris Moïse. Ça fait Moïse saisir. Comment faire on dit faire bouler non tout voit? Tout voit pas bouler et puis tu fais bouler la donne. Ça a attiré l'attention Moïse. Oh là là, Dieu. Maintenant, il y a des réalités. Nous tendez. Nous tendez parler de corps glorifié. Nous tendez parler de la vie éternelle. Nous tendez parler de la santé éternelle. Mais il nous faut une expérience pour entrer dans ces réalités. Et c'est ça, un Jean invite au faire matin. Un Jean invite au faire une expérience ce matin. Pour qu'on connaisse, oui, l'irréel, ce que nous parlons ce matin. La vie éternelle, c'est une chose réelle. La santé éternelle, c'est une chose réelle. La nouvelle cité, la nouvelle ville, c'est une chose réelle. C'est pas une femme, mes frères et sœurs. Et au même qui tendait parole ça, ça attire l'attention au matin. Pour venir au matin. Pourquoi qu'on va faire une expérience ce matin? Alléluia, vous pouvez vous asseoir. On continue. Et puis Moïse approchait. Et puis Moïse tendait voix qui parlait avec lui. Et puis voix identifiée, lui fait qu'on est qui est. Et puis il parlait à Moïse. Il dit à Moïse même message. Ça m'a demandé qu'on a dit là. Mais puisque qu'on a recevoir un message ça directement de Dieu, ça c'est un autre bagage que lui. Il n'a pas seulement reçu un message, mais Dieu prouvait. Il a des signes avec le message, mes frères et sœurs.
cause de ces signes, Moïse entraîne dans l'autre réalité. Là, Moïse vient comprendre, non, ce n'est pas moi-même. C'est Dieu qui va faire la chose. C'est Dieu qui va le faire bagaille. Il fait Moïse fouremen, il couvre de lep, de Moïse fouremen encore, Moïse vient même purifier. Je vais continuer de venir prêcher message ce matin, hein? Mais ça a gagné environ peut-être 3 semaines de dit madame moi ça me dit chérie m'a pèsu ko son gens en cas où m't'oublié m'entrer dans ces songes et m'pa ka expliquer parce que vraiment difficile m'pa comprendre yo et puis mon côté en gens dit m'fouré même et puis moi c'est comme si même tout bas et blanche précieux même pareil mais j'avais et moi j'ai pu fouré même encore moi même purifié m'pa connait pour message ce matin. Alléluia. Nous sommes convaincus. Nous connaissons que nous vivons dans l'autre réalité, là, mes frères et sœurs. Et là, Moïse n'a pas peur. Où est Moïse fin tué l'Égyptien? Ça, Moïse fait. Là, le caché. Mais là, Moïse n'a pas caché. Moïse paraît devant Pharaon. Parce que là, son autre bagage. Là, ce n'est pas Moïse. Moïse paraît devant Pharaon. Il dit, quitte le peuple, moi, allez. Mais même Moïse, ça, il était toujours qu'on essaie de délivrer le peuple. Là. Il n'a toujours pas devant Pharaon pour dire, Pharaon, quitte le peuple, moi, allez. Non. Bon, au contraire, Moïse tellement pelle, fin tout des Égyptiens, Moïse a caché. Moïse court, il sauve, il a caché. Mais après cette expérience, Moïse entre dans l'autre réalité. Moïse quitte les réalités terrestres. Parce que la terre dit qu'on ça c'est goût, mais pour nous, mais physiquement, à pour nous. Pour que si nous faisons des choses pour nous jeunes. Mais le ciel va dire ça. Le ciel dit c'est moi-même qui combat pour moi-même. C'est ça que le dit. Et les Moïse connaît la réalité ça. Moïse, je sais que le ciel est avec moi. Et m'a présenté devant Pharaon. Laisse partir mon peuple. Et ce matin, ce même ange est ici ce matin. Pour dire quoi ça? Et mais soyez changé. Quittez peuple pour entrer dans la gloire. Pas gagner sous la terre qui arrête nous. Les choses terrestres pas capable retenir au matin. La vieillesse c'est quelque chose terrestre. Et ben un gens dit quitte peuple moi en partie matin. La vieillesse pas capable retenir au matin. La maladie pas capable retenir au matin. Et ben c'est dans la réalité ça que notre mes frères et sœurs. Pas gagner qui était de la terre qui était capable retenir Moïse. Toutes les conceptions terrestres intellectuelles Moïse oublie tout net. Parce que Moïse entre dans l'autre réalité. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous te lis Colossiens 3 pour vous. Il dit, si donc vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Seigneur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes mort et votre vie est cachée. Alléluia. Avec Christ en Dieu. Verset 1 avec verset 2. Nous prenons l'autre version pour vous. Et nos versions, les versions second 21. Il n'a pas dit attachez-vous aux choses d'en haut. Mais il dit de référence attachez-vous aux réalités d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous là, mes réalités terrestres, nous ne devons pas attacher nous avec eux. Nous avons le droit pour ne pas accepter. Oui. Parce que ce sont des réalités terrestres. Yes. Mais nous qui sommes l'épouse, nous quittons la terre. Amen. Nous partis. Oui, nous partis, nous sommes dans l'enlèvement. Amen. Nous n'avons pas le droit d'accepter les réalités terrestres encore. Amen. Nous n'avons pas le droit d'accepter. Ou bien le droit pour dire mon cher, pas de malade. Amen. Ou bien le droit plein de choses pour dire qu'on pas accepter. Parce que Dieu ne promet tout bagage ça dans l'enlèvement. Dieu ne peut pas promettre tout bagage ça dans l'épouse, dans la sainte ville, dans la nouvelle cité. Il ne peut pas promettre tout bagage ça. Ou bien droit pour dire bagage ça son bagage qui est anormal lié. Il n'est pas normal. Ou bien droit pour dire mon cher, si j'ai tension, je ne dois pas souffrir tension. Ou bien droit pour dire je ne dois pas souffrir sucre. Parce que on a vécu l'autre réalité. Ou non l'autre atmosphère. Ou non l'autre dimension. Ou non l'autre endroit. Et dans un droit, ça a l'autre réalité qui parle des réalités terrestres, qui sont des réalités célestes.
Attachez-vous à ces réalités. La sainte éternelle, la vie éternelle, le corps glorifié, le corps changé, la nouvelle cité, la nouvelle ville. Vous qui doit vous dire, mon cher, je ne peux pas prédire, dis pour me faire l'argent. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas besoin de manger, je ne peux pas manger. Vous qui doit vous dire ça. Ou qui doit pour dire, si vous ne pouvez pas faire petit, vous devez faire petit. Amen. Ou qui doit pour dire, mon cher, je ne pas droit de vieux. Je ne pas droit de vieux. Je ne pas droit de vieux. Non. Amen. Merci. Ou qui tout droit ça. Parce que côté qui vient bagage ça, vous quittez déjà. Parce que Jean ou l'épouse montée depuis au chapitre 4. L'épouse montée. Et frère Brenham dit, Jean pas seulement représenter l'épouse, mais représenter chaque croyant. Sous son croyant, vous êtes montés, mes frères et sœurs. Amen. Ou quittez la terre, mes frères et sœurs. Ou pas de droit accepter les réalités terrestres. Non, messieurs, je suis d'accord. Et c'est la parole. Merci, Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, nous pouvons voir, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous asseoir. Nous pouvons voir que Moïse, par cette expérience, Moïse entre dans l'autre réalité. Amen. Et nous sommes capables de prendre d'autres exemples. Nous sommes capables de prendre l'exemple de Paul. Oui. Paul pense qu'il a défendu un bon bagay. Paul a un pile intellectualise la Kali. Et au contraire, Paul est prédoctorat pour qu'il devienne dans la tête et principaux sacrificateurs. Mais Paul fait et l'expérience, on va ajouter ça, est personnelle. L'expérience n'est pas une expérience en groupe. L'expérience est personnelle. Lorsque Paul sous chemin, l'autre monde qui t'a apporté par la lumière, c'est le Paul qui voit la lumière. C'est pour vous montrer que l'expérience est personnelle, mes frères et sœurs. La révélation est personnelle. Lui révéler avec Paul, lui dit, moi c'est Seigneur Jésus-Christ. C'était personnel à Paul. Pas une personne qui était où elle. Et après expérience ça, Paul entre dans l'autre réalité. Paul devenu on l'autre Paul. Amen. Alléluia. Par des expériences, mes frères et sœurs, nous capables prendre exemple même David tout. Alléluia. David tellement fait expérience. Chaque les Timothée un problème et Dieu bail David force il délivre Timothée en babouche lion, en babouche bête sauvage. Et puis lorsque Philistéon a défié spécialement Goliath a défié peuple Israël là. Et puis monsieur même donc c'est goumen contre goumen, c'est avec force pa yo. Donc monsieur a reculé parce qu'il sentit capacité pa pas comparer à capacité Philistéen. Mais parce que à cause d'expérience David, li wè ça Dieu qu'on fait pour lui déjà. Li dit mon cher, si Dieu ka délivrer ti mouton yo, fait me délivrer ti mouton en bas bouche vers sauvage yo. Eh bien, si je parle devant Goliath tout, la délivre tout. Il finit avec une autre réalité. Monsieur, tu as une réalité épée dans mes yeux, réalité bouclier. D'ailleurs, il met une réalité sérieuse sur David, il n'y a pas fuite. Il n'y a pas ajusté sur David. David dit, je me sens trop lourd avec réalité sérieuse. Et puis David, l'aile paraît, il prononce ses paroles devant Goliath. Il dit, il vient avec épée, il vient avec gros bouclier pour venir combattre moi. Moi, je viens combattre au nom de l'Éternel. Il vient avec quelque chose de plus fort. Il vient avec une autre réalité. Et mes frères et sœurs, pour montrer que réalité, ça quoi vous souhaitez, c'est pas lui-même qui est la vraie chose. Si nous t'étendons et nous t'étendons, nous t'étendons, nous passé, commentaire frère Robert Dula, il t'a parlé de cette dimension. Nous, dans le temps, nous même qui dans le temps dans le monde, ça, nous influencés par le monde spirituel. L'eau est un bagage qui fait dans le monde ça, vous pouvez vous asseoir. L'eau est un bagage qui fait dans le monde ça, un bagage de mal par exemple, il est influencé par les démons. Mais lorsque moi-même qui prêché là, m'est influencé par Dieu. Amen. Ouais, ça me dit là. Amen. Ça veut dire que là, ça qu'a fait là, tout ça qu'a fait là, il l'a fait sous l'influence. Amen. Et c'est la vérité. Et mais si un bagage qui est réel, eh ben c'est ça qui est influencé. Côté mien, c'est lui-même qui est réel. Amen. Mais c'est le ciel qui est réel, mes frères et sœurs. C'est pas mon ça qui est réel pour moi. Et même pas qu'à vivre selon ça qui est influencé. Amen.
Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. N'a pas continué, mes frères et sœurs. Et ça, c'est une raison qui fait que pas qu'à comprendre Dieu en Jésus. Est-ce que nous commençons à me dire, c'est à quoi pas qu'à comprendre Dieu en Jésus. Et vient fait que yo pas qu'à comprendre Jésus tout. Parce que puisque Dieu tabernacle en Jésus. Alléluia. Donc ça vient faire Jésus Dieu. Yo pas qu'à comprendre Jésus. Yo pas qu'à comprendre, yo pas qu'à comprendre Dieu en Jésus. Et là pareil jodi hein, yo pas qu'à comprendre nous. Parce que même ça le fait en Jésus, il vient le faire là nous même. Frère Brenham dit dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Dans paragraphe 65. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, paragraphe 65. Il dit, du temps qu'il était sur la terre, il faut bien parler de Jésus. Du temps qu'il était sur la terre, une des raisons pour laquelle qu'ils n'ont pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui et obtenir ainsi leur délivrance, c'est que c'était trop inhabituel pour eux. Raison qui fait que pas qu'accepter Jésus lorsqu'il était sous terre, ou bien pour être croyant en lui pour que tu sois délivrance, c'est parce que Jésus n'était pas quelque chose d'inhabituel pour eux. Et on bagaille qui sont réalité pour vous, ils viennent tout nos bagailles qui sont habituelles pour vous. Tout à fait, je suis d'accord. Son réalité pour lever chaque matin, frère Michel, pour aller travailler. Ou est-ce que vous levez matin, ou pas réfléchir pour dire, oh, ça me fait matin. Ou pas réfléchir à ça, non? Yes. Ou juste lever à travailler, son bagaille qui est habituel pour vous. Amen. Mais c'est même gens tout. Oh, Seigneur. Alléluia. Les choses célestes. Oui, Seigneur. C'est pas lever matin pour dire, oh, sous malade, vous dire, oh, est-ce que je m'a guéri matin? Hein? Ou bien est-ce que non, on connaît des boulets ou tout guéri. Pas son bagage qui sont bagages habituels pour vous. Tout ça qui est réel pour vous, il est naturel pour vous, il est habituel pour vous. C'est pas sans raison. L'idée pour 4-7 là. Au commencement, dit lesquels nous assurent les plus grandes précieuses promesses. Et puis dit qui sont la nature, qui explique bagage, ça ce sont la nature divine. Yon baga qui est habituel pour vivre tout nos natures pour vous. Le caractère de Dieu en vous doit être une nature pour vous. Pour vivre tant que Dieu. Pour marcher tant que Dieu. Pour parler tant que Dieu. Ou pas agir tant que homme. Ou pas parler tant que homme. Ou pas agir tant que n'importe quel humain. C'est pour ça même que Jésus était quelque chose d'inhabituel pour eux. Ils n'ont pas qu'à comprendre Jésus. Parce que je n'ai pas qu'à comprendre monsieur. Monsieur parle avec tout homme. Amen. Et mais c'est même bagarre pour vous, mes frères et sœurs. Amen. C'est pour vous dire, je ne peux pas comprendre frère Négo, non? Frère Négo est un genre bizarre. Mm-hmm. Bien sûr, il faut le bizarre. Parce que bagarre ça, c'est pour bagarre qui est habitué. Ouais. C'est pour bagarre de tous les jours. Amen. Ça, c'est pas leur réalité. Non. C'est seul moi même qui comprendre frère Négo. Parce que frère Négo a vécu dans la même réalité avec moi. Amen. Parce que nous vivons dans la même dimension. Lorsque frère Négo regarde ce Léonard, il dit, ce Léonard, nous sommes jeunes garçons, 16 ans. Alléluia. C'est Léonard dit, oui, nous croyons ça, gloire à Dieu, amen. Il dit, c'est vrai, mon frère. Vous avez 16 ans, vrai, oui. Amen. Et puis, on l'a regardé, il dit, là. Mon ça, il est sous. Il boit divin. Ça va parler comme ça, là. Parce que moun sa li pa vivre réalité quoi vivre là mes frères et sœurs. Et plus que ça, n'importe réalité quoi vivre, li pas seulement influencé à l'intérieur, mais li influencé autour à l'extérieur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Yo moun, est-ce qu'on a une tristesse? Ou pas une tristesse? Sentiment tristesse, ça son baga qui passe à l'intérieur. Et puis après ça vient refléter sous quoi. Est-ce qu'on est content ou pas content? Content sont bagages qui passent à l'intérieur. Amen.
et puis reflétait sur quoi. Puis il reflétait sur quoi, on dit oh, est-elle content. Mais si vous n'avez pas une pièce expression visage, hein, et même si vous n'avez pas un geste, vous n'avez pas un content. Alors que vous êtes content à l'intérieur, vous n'avez pas un content. Mais tout ce qui a passé à l'intérieur, mais quoi, vous pouvez le refléter à l'extérieur. Et mais sous quoi que vous jeune, et mais la jeunesse est à l'intérieur de vous. Et très bientôt, ça va s'exprimer. Alléluia, dans votre chair extérieure. Très bientôt, mes frères et sœurs, vous pourrez avoir 16 ans. Très bientôt, vous aurez tous les cheveux dans la tête tout noir. Très bientôt, mes frères et sœurs, vous pourrez voyager aux États-Unis à Haïti dans une fraction de seconde. Parce qu'on fait, vous faites déjà. Vous faites déjà, oui. Et là, font vision ou tel côté. Vous faites déjà. Ça qui t'a fait à passer à l'intérieur. Mais un jour, il n'est pas passé à l'intérieur seulement. La fête avec tout quoi. Ou à blase, ou à dit, bon, fond, vous coutez avec le frère Blue là. Et vous faites ou pas avec le frère Blue Hit. Frère Blue Hit pas saisi. Parce qu'elle est dans la même dimension avec vous. Parce qu'elle a vu la même réalité avec vous. Ainsi, mes frères et sœurs, bagay sa yo, promesse yo, tout ça qu'on a cité dans le message yo, prenez yo comme étant des réalités, mes frères et sœurs. Prenez yo comme des choses, oui, comme des choses habituelles, comme des choses naturelles. Pas une seconde nature, mais la nature première. Ce méchou pas qu'il doit dire ou pas qu'il doit matin. Pas qu'il doit lever pour tout pas qu'il. Même si je ne montre pas un cob, c'est je qui ne montre pas un cob. Ça, c'est une réalité terrestre liée. Ou pas qu'il doit lever pour dire ou n'a nécessité tel bagay. Dans la dernière prédication que je me disais, le second problème, c'est vous-même qui créez vos problèmes. Parce que, un problème, parce qu'on considère comme étant un problème. Mais qu'on ne pas considérer comme étant un problème, il n'est pas un problème. Par exemple, on moun qui est en Haïti, pourquoi on moun qui vient en Haïti là donc? Et bon, je vais même aller en Haïti. Est-ce que celui a un problème machine? Il a un problème machine. Eh bien, pas un problème bouli. Non, est-ce que celui a besoin de machine? Il va besoin de machine. Et il va considérer comme étant un problème pour lui. Il va considérer comme un problème pour lui. Quand il y a là ou même, vous faites bien au carré maison machine, quand il a dit, quelle maison machine, oui. Depuis une réflexion, ou qui t'a exprimé son problème, quelle maison machine, oui. Mon cher frère, je crois qu'on a un gros problème en machine là, ouais. Mais on peut définir comme étant un problème. C'est lié à la maison machine, il va y avoir une transportation. Là, tout côté que le voulait. Dieu font manière, il prend papa, il prend maman, il fait il met disponible les pouvoirs pour yo. Dieu pas dit qu'il j'en a fait pour vous. Déjà sous pas considéré comme étant un problème. Dieu qui te trace son chemin pour même pour que le poste soit besoin. Mais qu'on considère comme étant un problème. Problème qui ça problème engendré, problème lié engendré. Pendant que vous les machines, vous voyez qu'on y a un bac à travail, non? Qu'on y a un bac à cob, non? Qu'on y a un ceci. Problème engendre problème. Mais qu'on considère que sans problème, gardez toute solution à vie. Parce que solution engendre solution. Donc, matin, hein? Ou pas l'homme malade, il est tellement considéré le malade et puis toute l'autre maladie, il y a une chance pour entrer sous lui. Il n'y a pas entré sous lui. Mon a une petite grippe, après ça, il y a une fièvre. Il sort dans la fièvre, quand il y a une autre maladie entrée. Là, à l'hôpital, il fait diagnostic, il y a plus l'autre bagarre encore. Parce que mon a considéré le malade. Mais une fois que mon n'a pas considéré le malade, si son grippe est gagné, il a pris un niveau grippe. Il ne va pas aller plus loin.
au lieu d'aller plus loin, c'est améliorer, nous n'avons pas amélioré. Parce que nous n'avons pas considéré ça que le gagne. Nous n'avons déjà que le guéri. Nous n'avons pas progrès la fait vers la positivité. Mais tout le temps, nous n'avons considéré. Depuis que nous avons un problème, vous vous asseoir. Il considère comme étant un problème. Et puisque il considère comme étant un problème, il cherche à résoudre le problème par lui-même. Et en plus, fois qu'il le fait, il entre dans le plus problème. Là, il prête cob à intérêt. Bon, ou pas de gain, ou il prête à intérêt. Bon, ou de besoin 1000 dollars, ou pas de gain. Quand il prête 1000 dollars, il prête 1000 dollars. Bon, même 1000 dollars, il prête 1000 dollars. Ou il prête 1000 dollars. Ou fouet tête tout le monde, l'autre problème. On a l'autre pas payer 1000 dollars. Ou al faut l'autre dette encore. Mon dit mon cher, comme on demande sa dette là plus longtemps, moi j'aime pas mettre en plus sur 2200, ou 1250, mais même 1200 al payer li, qu'on y a 2250. Vous dites, qu'est-ce monsieur? On a un problème. Problème n'a pas engendré problème. Parce que déjà, au commencement, on considère comme étant problème. Et problème qui s'est engendré, problème li engendré. Quel que soit ça, ouais, mes frères et sœurs, gardez, sous senti ou par un côté pour camper. Vous dites, ok, maintenant dans telle situation, mais qui ça, Paul l'a dit? Alléluia. Qui ça, Dieu dit? Pour que je connais qui côté ma campé. Ça va me donner son expérience que je fais, oui. Alléluia. Moi, je vais côté bagarre, tout blême, je dis, je vais courir, je vais prendre une décision, je vais courir, dire rien. Parce que, en pile fois, nous même en tant que les hommes, nous avons tendance pour que nous agissions par émotion. Et Dieu lui-même n'est pas agi sur la base d'émotion, il agit sur la base de sa parole. Camper et puis me sens si gomba qui troublé me dit ok, l'aime dans la situation qui sa parole l'a dit. Et des fois il est dur pour aller dans route parole là, parce que je sens si j'aime pour la vie puis vite les vies bon. Alléluia. Ou quand dit moi j'aime pas une machine là, laisse son machine gal lui. Ou quand dit peut-être bon finance son machine parce que me faire 200 dollars chaque mois pour payer une machine mon cher. Mais un an plus tard ou vient tourner dans problème ou vient tomber dans problème côté même 200 dollars ça, même 100 dollars dans le bac à joindre. Alors que si tu as une patience, un mois, deux mois, tu fais Dieu confiance, Dieu t'a pris le problème dans vous. Des fois, nous pas accepter pour que Dieu lui-même l'y agit. Et Dieu lui-même lui toujours agit pour que le cas joue une gloire. Et qui j'en pour jouer une gloire, il faut pas qu'elle arrive au niveau côté que vous pas faire même. Et puis laisse aller intervenir pour que le cas joue une gloire. Parce que si vous avez un bagage, vous avez dit, vous n'avez pas si vous avez fait tel bagage. Qui fait que vous faites? Mais qui t'est l'empire même. Mais au même l'heure, elle a empiré, on dit, elle est pas faite, non? Et puis elle vous dit, ah, bon, faut bagaille. Et mais c'est alors que Dieu, même, c'est Dieu qui t'est l'empire même. Pour que l'elfe fait bagaille, vous dit, si c'est pas bon, Dieu, monsieur. Bah, ça va la faute là, non, monsieur. Bah, ça va la faute, non, monsieur. Mais frère, c'est dans la réalité ça que nous y est là, ma. Même si vous bagaille là, pas empiré, connaît Dieu là. Mes frères et sœurs, on l'autre réalité encore. M'blé qu'on connaît Dieu dans où. M'blé qu'on connaît la charité li dans où, mes frères et sœurs. M'blé qu'on connaît le Saint-Esprit li dans où même. Bon, un problème, yo dit Jésus qui s'était gagné. Peut-être l'homme, l'Esprit qu'on a Jésus-Christ, il a considéré comme étant un problème. Non, j'en la mette récit. Mais au fond, pour Jésus lui-même, sous ta mandel, sous ta conversation avec la monde, pas ton problème pour moi, non? Peut-être que vous avez dit que c'était un problème, mais peut-être que vous comprendre la chose. Mais le bon problème pour Jésus, parce qu'il connaît qui est-ce qui est dans lien. Le Dieu qui vit en lui, ce n'est pas un Dieu de problème, mais de référence au Dieu de solution à tous les problèmes. Si moi aimer ça que m'apprendre matin et m'apprendre pendant me là il va dire et apprendre m'apprendre bien content ça m'apprendre matin et moi content ça apprendre matin. Bon, on rentre plus fort dans message à mes frères et sœurs. Et mais tout ça que me dire lorsque me fait introduction ça comme ça,
c'est pour qu'on accepte tout bagage l'autre ça que me dire comme étant en réalité. Pour qu'on connaît dans qui l'heure que on va vivre, dans qui moment, dans qui saison, dans qui temps que on va vivre mes frères et sœurs. Amen. Frère bien Michel et dans message dimanche il dit quelque chose. Et puis quand elle finit là, il peut capter l'esprit. Par contre pour qui ça? Il dit vous êtes la porte. Pendant que et frère René, nous connaissons les prêcher dans une série de messages et côté qu'il parle de l'épouse et comment nous sommes montés, il parle de Apocalypse 4 et aussi fait référence à plusieurs mystères. Et puis frère Pierre et puis frère René définit la porte comme étant Christ qui est la porte. Et puis frère Pierre Michel dit machin dit l'épouse est la porte. Et bien, là, c'est l'esprit. Je me suis tous dans les messages que je vais vous. Frère, il dit Christ est la porte. Et puis, mes frères, je dit l'épouse est la porte. Ça, on a dit oh, mes amis, mais on dit Christ est la porte. Mon l'autre dit l'épouse est la porte. C'est son problème. Et tout et partout, Frère Michel fait commenter sur lui où est l'épouse est la porte vraiment. Amen. Et pour moi, ils ont pour l'autre. Et puis, elle a continué dans la soirée vers les 10 heures du soir. Bah la continuer à passer dans tête moi. Et puis juste a fait ti méditation et puis m'a tombé sous même bouche ça toujours les réalités infaillibles du Dieu vivant paragraphe 104. Paragraphe 104. Et puis m'a commencé dans paragraphe 103 son manière pour que nous capable comprendre le contexte paragraphe 104 là. Il dit du temps de Noé il avait leur religion, la parole de monde qui était dans le monde là, il avait leur religion. Il dit, il avait depuis 2000 ans, comme nous avons le christianisme. Parce que nous connaissons, et après Dieu fait créer le monde là, 2000 ans plus tard, il détruit par déluge. Et ouais, il avait une religion environ 2000 ans, même gens que nous même christianisme aujourd'hui. Et puis, il dit, il y avait des critiques, tout bagage, ça est comparé, comme aujourd'hui, nous avons des critiques. Et tout comme il y en a aujourd'hui, frère, vous répéter. Et qu'arriva-t-il au jour de Noé? Nous découvrons que Noé s'est tenu dans l'unique porte de l'arche. Une arche qu'il avait construite et qui était contraire à toute conception humaine. L'arche aujourd'hui, pour dire au monde que au sommet il y a 16 ans, ça contraire à toute conception humaine. Ça contraire avec toute promesse que nous gagnons, il y a tout au contraire à toute conception humaine. Pour dire tout le monde dit c'est dans oulier. Alors que même vous comprenez, il y a un gros bagage qui apparaît dans le ciel là, qui descend et puis tout le monde a avancé, gros trompette a sonné, et puis mon a avancé. C'est ça que vous comprenez. Ça est contraire à toute conception humaine. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, son livre de symbole. Pas ça que crie au noir sur blanc pour penser qu'on s'allie. Non. Son livre symbolique que lui. Tout ça, il vous dit quelque chose. Je typifie quelque chose. Amen. Lizzie, tout bagage a été contraire à toute conception humaine. Lizzie, il n'avait jamais plus. Pas jamais grand monde, comme des Kabza, et pas jamais grand monde, et où est-ce qu'il était comme ça, et puis donc qui changeait le tourné 16 ans. Donc Abraham, ça a été fait avec Abraham, mais dans la génération, pas nous, jamais grand monde comme ça. Et bien, ça contraire avec tout. Avec toute ça, on a quasi une génération ça. Ou pas, je m'en bats comme ça. Mais même, je n'ai pas de faire l'appli sous ton Noé. Les Noé disent pour faire l'appli. Son mari, c'est fou. Son mari qui va faire sens même du tout pour faire l'appli. Il n'y avait jamais eu de nuages dans le ciel. Mais Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir. Dieu dit pour faire l'appli. Dieu dit que t'es ça la bonne nouvelle terre, la bonne nouvelle cité, la bonne nouvelle ville. Là-bas, de nouveaux cieux. Même Dieu, ça qui n'est pas de jambes, il a dit ça, et puis la vie devine tomber. C'est même Dieu, ça qui fait toute promesse. Ça, Dieu dit, pas de maladie, pas de douleur. C'est même Dieu, ça qui répète les bagages. Et puis il dit, c'était la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est toujours la parole de Dieu. Et puis il dit, Dieu avait dit, prépare-toi une arche. Et Noé prépara l'arche et s'est tenu dans cette unique porte. Et à prêcher le salut. Amen. Qui compte nous écraper? Dans l'achat nous écraper. Dans porte l'achat. Et prêcher salut. Yes,
Qui côté me camper je dis m'a prêcher me camper n'importe les pour ça. Alléluia. M'a prêché. Alléluia. Il a prêché le salut. Amen. Il dit, et c'est la seule et c'est la seule solution pour le salut. Alléluia. Seule solution ça que tu gagnes pour le salut. Tu étais lâche. Matin, seule solution qui gagne là matin, c'est l'épouse. Alléluia. C'est là pour venir pour jouer nos solutions. Et ça m'a dit, je voulais vous prendre comme en réalité. Amen. Pas quelque chose que nous lit pour lit. Non, c'est pour ça que je prends tout exemple, ça me prend avant. Amen. C'est pour nous pas prendre, ça m'a dit comme des choses imaginaires, son bagage que nous imaginons. Non. Nous pas imaginer rien là. Amen. Mais tout ça que nous avons dit, ce sont des choses réelles. Amen. Amen. Praise God, amen. Amen. Et puis nous, venons par paragraphe là. Et puis, frère Bonham dit, quel type d'aujourd'hui? Et puis il dit, il n'y a qu'une porte qui conduit à Dieu. C'est la seule porte qui conduit à Dieu. Alléluia. Et puis il dit, cette porte est Christ. Amen. Et puis le conseiller vous dit, Christ est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui demeure en vous. Amen. Alléluia. On est en pasteur des dimanches. Baron Soué. Il dit, il y a une seule porte qui conduit à Christ. Seule porte qui mène à Dieu, pardon. Cette porte est Christ. Amen. Et qui est Christ? Christ est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui demeure en vous. Amen. Vous êtes la porte. Amen. Parce que vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes le Christ. Vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes la porte. Amen. C'est pas ou même seulement pour mon passé pour jouer Dieu matin. C'est pas les pour seulement pour mon passé pour jouer Dieu matin. Parce que l'épouse est la porte. L'épouse est la porte. Christ est la porte. Et Christ est le Saint-Esprit qui demeure en vous. Les moi, ça me content. Ça me joue. Est-ce qu'on pas content pour que c'est la porte qui mène à Dieu? Bon, est-ce que porte qui mène à Dieu, oui. Porte qui mène à Dieu, oui. Ou pas qu'à faire tout le bagage, mes frères et sœurs. Ou pas qu'à donner n'importe endroit. Ou pas qu'à gagner n'importe comportement. Parce que vous parlez n'importe qui. Vous êtes la porte qui mène à Dieu. Ou pas qu'à parler n'importe gens. Il n'a pas dit vous êtes une porte, non? S'il a dit vous êtes une porte, ça veut dire qu'il y a l'autre porte. Vous êtes la porte. Ça veut dire l'unique porte qui mène à Dieu. Si on a une seule porte, si vous entrez, c'est une grande porte, ça vous passe. Amen. Ou pas quand entrer dans la porte. Parce que bon, la porte là va jamais exister, mon frère. Comment vous allez passer dans la porte? Amen. Vous êtes la porte. Amen. Yes, sir. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci. Je voulais vous comprendre, matin, mes frères et sœurs. Je voulais vous comprendre ces réalités ce matin. Ou même pas essayer d'aller vite. Parce que je me sens, je voulais vous comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Ça a été touché comme mes frères et sœurs. Je me dis, il faut que je te souligne ça pour nous. Amen. Et nous allons plus loin, vous vous asseoir. Amen. Nous allons aller plus loin, mes frères et sœurs. Je continue sous même lancer ça. Hein, pour que vous montrez d'autres choses. Non, brochure ça. Et bon, pas de cas, j'ai une brochure, j'ai écrit à la main. Dans la brochure, ça, que frère Coleman prêchait, et message ça, au pays des Galles, c'est la venue de la pierre de fête. Et puis, il fait citation, ça, il dit, l'heure est arrivée pour que vous formiez la pierre de fête. Oh, alléluia. C'est ça, il dit. L'heure est arrivée pour que vous formiez la pierre de fête. Vous allez dire, qu'il faut là. Pour Christ y entre. On va parler français. L'est arrivé pour que c'est vous-même qui formez pierre de fête là. Pour que Christ soit capable d'entrer là-dedans. Amen. Vous, on l'a toujours, non?
Frère Coleman continue la félicitation Frère Brenham. Il fait citation ça dans l'unité page 31, paragraphe 183. Il dit, il a fait sortir les élus luthériens pour former les Wesleyens. Il a fait sortir les élus Wesleyens pour former les Pentecôtistes. Il a fait sortir les il dit, maintenant, il appelle les élus Pentecôtistes. Les élus Pentecôtistes pour faire quoi? Pour former la pierre de fête. Alléluia. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Pourquoi que je vais continuer, on continue. Parce que ça m'a envie de dire, m'a envie de faire une base pour lui. Ça m'a envie de dire. Lisez l'irélo pour qu'on forme la pierre de fête. Amen. Est-ce que nous d'accord, ça c'est la pierre de fête? Amen. Amen. Et nous songeons que frère identifié que ça tête ça c'est le corps physique de Jésus-Christ. Ici c'est la pierre de fête céleste, mais c'est aussi le corps physique de Jésus-Christ. Nous là. Oui Seigneur. Alléluia. L'irélé l'épouse. Au commencement nous capable là. La pyramide n'est pas coiffée ici. Non, grand espace vide. Il y a une séparation. Parce que c'est l'épouse qui doit coiffer la pyramide. Et pour que la pyramide soit coiffée, il faut que le grand pierre de fête qu'il a. Eh bien, qui qu'a fait Dieu? Qu'a fait Christ? Il appelle les élus pentecôtistes pour former la pierre de fête. Mes pierres de fête là. Ça c'est la pierre de fête terrestre. Ici c'est la pierre de fête céleste. Pour faire quoi? Pour que Christ qui est la pierre de fête céleste y entre. So est là. Est-ce qu'on est là encore? So est là. Y entre pour qu'il entre là-dedans. Pour qu'il fonce seul. Merci Seigneur. Merci. Mais ça cap gonfler pour me dire. Et lorsque je me lorsque Dieu parlait avec moi, il était 11h du soir, ma bain et pendant ma bain et puis bagarre la montée dans l'esprit comme ça. Bah attends, on reverse et puis me dit ah, on va le coucher, pas penser à ça. Et puis voix dit comme ça, voyez un message ba frère René dit ça. Et puis me voyez un message dans notre ba frère René et puis demain matin frère René pour le frère dit exactement 60 sous que là, soit capable la voler ça lié. Amen. Alléluia. Voilà c'est nous qui ça lié. Ici, c'est la pierre de fête céleste et le corps physique de Jésus-Christ. Ici, c'est la pierre de fête terrestre. Si Jésus a un corps physique, madame a un corps physique tout. C'est ça, ange de Vénézine. Madame a un corps physique tout. Parce que Marie avec femme là, ou bien avec épouse là, ils ont deux fonds seuls. Ils ont deux unis ensemble. Et dans le message précédent que Frère prêché, il dit que c'est là que nous pouvons aller plus loin. Bien sûr, nous pouvons aller plus loin. Parce que là, son âge éternel lié. Si nous quittons aller plus loin, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Si nous quittons aller plus loin, ça veut dire que nous terminons avec lui, nous montons plus haut. Mais si son âge éternel lié, nous n'avons pas une pièce côté que nous allons aller. Jésus-Christ a descendu la vie nous rencontrer nous là. Et lorsque la vie nous rencontre, la vie nous rencontre dans sa propre chair physique. Physiquement la vie rencontre nous. Eh bien, si elle dit physiquement la vie rencontre nous, eh bien, c'est la vie rencontre là. On l'épouse esprit la vie rencontre. Son l'épouse de manière physique la vie rencontre. Parce que si Christ a vie unie avec son épouse, Jésus-Christ physique à la vie pour qu'elle fonce seule avec nous. Eh bien, son épouse physique la vie rencontre avec lui. Madame, moi pas madame esprit. Je suis un homme physique. Madame, moi pas madame esprit. Ils sont femmes physiques. Et unis avec lui, physique pour physique. Le corps physique de l'épouse se trouve ici. Mais ça, on le résume. Ici se trouve le corps physique de l'épouse. Et même Jean que
Marie a l'uni avec femme avec madame ni. Et bien c'est même Jean tout. Jésus-Christ qui est le mari la puni avec madame la font seule. Là. Et dans ville là. Dans ville là. Jésus-Christ a établi trône dans ville là. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous êtes cette ville. Amen. C'est pour cela que me saute li pour dit n'était pour autrefois, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est vous-même qui formez l'épouse. Nous, chaque là, nous sommes des pierres qui formaient espace ça, qui formaient la ville sainte. Et puis Dieu lui-même, il descend, il demeurait dans cette ville. Attention, Dieu est dans la ville ce matin. Dieu est ici ce matin. Vous êtes la ville. Dieu est dans sa ville. Son trône est dans sa ville. Il règne dans sa ville. Dieu règne en vous. C'est Dieu qui est en train de régner ici ce matin. Le règne est déjà ici. C'est déjà établi. Le millénium commence. Parce que le millénium, c'est règne Maria avec madame. C'est le règne de l'époux et de l'épouse. Non, même non, l'autre brochure. On va dire le bagage, non, l'autre brochure. Mais j'espère que nous prenons ça. Ou même dit là. Je ne dit pas pendant que je vais agiter pour que nous passions ici. C'est une manière pour que nous puissions considérer ces choses comme étant des réalités. Amen, amen, amen. Même jour, Jésus a tout le pouvoir que nous avons sous terre, ou a tout le pouvoir ça. Amen, ou pas, il ne doit jamais accepter la défaite. Ou pas, il ne doit jamais accepter un bagage qui passe selon la parole. Ou pas, il ne doit jamais accepter un bagage terrestre de fier. Parce que vous êtes d'en haut. Et déjà, vous êtes dans les airs. Ici, dans les airs. À la rencontre du Seigneur. C'est là qu'on va rencontrer. Nous ne allons rencontrer nulle part. Ici, c'est la terre. Les âges de l'église, nous avons quitté la terre. Dans vos chutes, ça, vous pouvez vous asseoir. Et frère Coleman toujours, les îles la charité, la pierre de fête d'amour. Charité, la pierre est faite d'amour. Dans paragraphe 5, non, page 5 de France, c'est pas paragraphe, parce que, et boucher ça très souvent, il n'y a pas divisé en paragraphe, il y a plus en divisé et dans page, on est capable de dire. On lit pour nous. Alléluia. Praise God. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Ça que nous allons lire pour nous, c'est pour nous capables d'aider nous, ouais. Qui est-ce que nous y est? Amen. Et pour que nous considérions ça comme étant une réalité. Bon. Et donc, on va passer. Donc, c'est dans bouche ça allié, mais pour une raison, on s'est passé. Mais c'est dans le bouche ça, parce que je m'appelle le matin. Eh, on croit que je jeûne. Il dit que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Gloire à Dieu. Eh bien, amen. Phénomène. Et la charité de Pierre, de fête, mon inspiration. Donc, non, c'est pas ça. Mais qui ça dit dans le bouche là? Parce que ça, Dieu inspire nous. Nous quittons le déjà, même d'appeler pour son manière pour que je sois capable de montrer que tu es frère Coleman. Dans le bouche ça, frère Coleman. Décrit comme étant Jésus-Christ terrestre. Là, ou même, vous êtes Jésus-Christ terrestre. Amen. Jésus, c'est Jésus-Christ céleste. Vous êtes Jésus-Christ terrestre. Amen.
ça, ça veut dire pour mes frères et sœurs. Pour que vous soyez Jésus-Christ terrestre, mes frères et sœurs. Qui ça, ça veut dire pour vous? Vous êtes Jésus-Christ terrestre. Ça veut dire, même bagage Jésus-Christ est qu'on fait, il est possible à vous même matin. Et Pierre va le découvrir plus tard qu'il est Jésus-Christ terrestre. Pierre, autrefois, il y a un pile bagage, Pierre, qu'on apprend, il a posé la question, qui genre ça fait fête? Qui genre mettre la fait fête le bagage? Pierre essaye, Pierre pas arrivé, Pierre essaye marcher sous de l'eau, Pierre couler, toute une série de choses. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, Pierre vient entrer dans l'autre réalité, Pierre fait une autre expérience. Même je mettre là, tu qu'on parler à maladie, Pierre parler à maladie tout même bagaille là. Exactement la même chose. Pierre était Jésus-Christ terrestre. Matin, besoin d'expérience dans mes témoignage m'a tel matin, besoin de témoignage pour dire que mon cher m'a tel problème, parler ça me dit que il résout. Besoin pour dire que au monde vient côté et puis me sentir m'inspirer, me parler avec mon nom. Exactement ça que me dit mon nom, c'est exactement comme ça que le fait. Besoin pour venir dire mon cher m'a passé bon la ria. Mon monde qui t'a pile cassé, me dit mon cher, levez le marché, puis levez le marché. Parce que vous êtes Jésus-Christ terrestre. Les mêmes œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que l'esprit qui est dans le lien, il voit les noms même, mes frères et sœurs. Ça, c'est un bagage qui est tout naturel pour vous. Pour qu'on est mon cher, si je parle, je me dis tel bagage à privé. C'est ça, je parle pour entrer dans l'autre réalité. Oui. Il y a un bagage tout naturel pour un bagage qui est de nature pour vous. Parce que cette vieille nature où j'étais déjà, où on l'autre nature, la nature qui est la nature divine, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, ça, c'est la nature de Dieu. C'est ça, ça de son bagage tout naturel pour vous. Bon, petit moment, mon problème, et puis me parler, donc, et puis, donc, ça me dit à le fait. Et me bagage tout. Je pas même hésiter, même, on connaît que la fête. Combien de monde qui croit samedi matin là? Sous quoi ça? Sors besoin matin, parlez, sors vle fait matin, parlez. Peut-être avant journée fini, la brive est faite. Peut-être dans la semaine, on a des témoignages. Peut-être dimanche prochain, on a des témoignages vivants. Des choses inhabituelles. Baga qui va jamais passer. Comment faites là? Parce que vous êtes Jésus-Christ terrestre. Le même Jésus-Christ qui était là environ 2000 ans passé est ici ce matin. Vous êtes ce Jésus-Christ. Les paroles, c'est le même Christ là. Les paroles, mes frères et sœurs. C'est le même monde qui a parlé là. Et puis possible encore, parce que c'était un seul monde, environ 2000 ans passé, mais qu'on a nous des centaines de Jésus-Christ qui chita là. Il faut d'abord poser des questions pour dire, comment faire, vous asseoir, comment faire dans tel problème, faut d'abord poser des questions. Si c'est Dieu qui permet, pour une raison pour l'autre, même si je permet Paul de gagner Richard dans Dieu, si c'est Dieu qui permet, ça. C'est autre chose. Mais ou pas gain droit accepter un bagage qui pas selon la parole. Tout ça qui par la parole son bagage qui anormal lié. Son bagage qui hors nature, c'est pas votre nature pour qu'on malade. C'est pas votre nature pour qu'on vieux. C'est pas nature pour qu'on mourir. Ça pas nature. Ça c'est nature monde qui pas monté. C'est nature monde qui de la terre. Mais vous êtes de Dieu. Vous retournez à Dieu. Votre nature est une nature divine. Matin, sous pas libéré, par contre, qui doit libérer encore. Peut-être son autre prédication, pas connaît. Mais en jansou, tout le bagage matin, pour qu'on libre matin. C'est pour libérer tout. On seule manière pour libérer tout.
Acceptez cette puissance. Acceptez ces promesses. Acceptez cette parole. Et déjà, vous êtes libre. Je déclare votre liberté. Vous êtes libre ce matin de toute chose qui est contraire avec la parole, de toute conception humaine, de toute chose qui est terrestre. Vous êtes libre ce matin. Attachez-vous au céleste. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Si on vous asseoir, mes frères et sœurs, si en réalité, nous songeons, je le dis dans la page 64, il dit, attendez à ce petit groupe qui est capable de prendre la parole et la manipuler ou manier la parole. N'a pas bagaille que a fait. Et nous sommes ce petit groupe. Qui ça qui empêche nous là? Qui ça qui s'est venu comme étant barrière? C'est vous-même qui empêchez tous mes frères et sœurs. Ou même qui c'est là pour tout. Ou même si on a besoin de Dieu, c'est ou même qui vous bat Dieu, oui. C'est ou même qui vous bat la vie éternelle, oui. Et pas de l'autre forme de vie éternelle qui existait que la vie de Dieu. Si vous voulez nous joindre Dieu, en d'autres mots, si vous voulez nous la vie éternelle, c'est ou même vous le joindre. Ça a gagné pour vous, je me signifie un pour vous. Dit tellement que vous pas signifié un pour vous, vous avez même pas sans la vie éternelle. Parce que si on a ou ka ba ou moun ou bagay. Mon cher, mais vous pouvez vous asseoir. Amen. Bonsoir pendant ce maintenant, il y a une série de témoignages que on partage sur pour savoir good night view. Ce a dit que ils font expérience côté que le manque font accident, on va parler dans détail témoignage. Ils il pas que j'en fait que le pas mourir là même. Et puis c'est là ça dit mais c'est bon, mi mortel vous monsieur. Les moi pas mourir là. Ce matin, nous avons besoin d'une expérience, mes frères et sœurs. Il dit, monsieur, mimotel, vous êtes moi pas mourir là, monsieur. Mon cher mimotel, tout bon. C'est comme si ça pour que j'ai mon réalité pour lui. Il était accepté, donc il était bon, oui, nous prêchons, etc. Mais pour nous tenter, mais pour l'entrer dans la réalité, Dieu a besoin d'expérience. Dieu permet de manquer faire accident ça. Pour que dit mon cher, oui, je suis immortel. Plus jamais, soit ça par exemple, jamais penser à la mort. Même du tout. Et autre chose, je souhaitais que cela réalisé. Sur la terre, il y a la mort. Je voulais que cela réalisé tout. La raison que fait l'immortel, c'est parce qu'il passe sur la terre. Parce que selon les réalités terrestres, il y a des gens qui marchent, qui vivent sous, qui ne doivent pas craser, mais qui ne doivent pas mourir même. Ça, c'est la réalité terrestre qui dit ça. Mais réalité céleste là, il pas dit ça. Machine qui a passé sous vous et vous campez droit, tout va rien. Et nous avons des preuves, nous avons des expériences là, déjà, ça fait déjà. Ça fait déjà là. Tout ça montre que vous n'êtes pas sur la terre. Ou bien vous n'êtes plus sur la terre. Autrefois, vous étiez sur la terre. Mais vous n'êtes plus sur la terre. Vous êtes monté. Si vous êtes croyant, vous êtes monté. Vous êtes maintenant dans les lieux célestes. Vous êtes dans l'espace du Saint-Esprit. Vous êtes dans les airs. Vous êtes dans la 16e dimension. Vous êtes auprès de Dieu maintenant même. Alléluia. Praise God, amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça arrive que papa témoignage à deux manières précises. Songez frère Pierre-Michel, qu'on a bâti moyen ça, peut-être c'est le même frère Nego. Soit il était sous route, il a pris le go naïf. Si je ne me trompe pas, frère Pierre ou frère Nego. Oui, il a pris le go naïf. Et puis, soit il y a un bus cabine sous yo. Donc, yo, ouais, c'est face à face à bus, il prend l'entrée en bas bus. Donc, c'est comme si il n'y a pas, ouais, pas de moyen là, même pour que il n'y a pas crasé, il n'y a pas entré en bas bus. Ça. Et puis, nous, frère, ce second, il a regardé, ouais, bus à des, et puis il a regardé. On a dit bagay ça al di yon moun ki sou la terre bagay ça la comprendre et pas celle ou même ka dit ça la ka comprendre. Amen. Si m di yon moun ki sou la terre pa comprendre et puis m di sou comprendre on pas sou la terre.
Parce que selon la réalité de la terre, si me dit mon sœur dit non mon cher machine doit écraser. Mais moi-même, je pas sous la terre côté que mien, machine pas écraser mon là. Côté que mien pas gain l'amour là. Côté que mien pas gain accident là. Pas gain bagage ça là. Vous voulez pour prendre bagage ça comme étant des choses naturelles pour vous. Là dans mon malade, ça fait tout nous, oui. Même si tout nous, ça t'a donné un bagage bizarre pour comment on fait malade, comment on fait mourir. C'est une leçon d'adieu mon gosse. Si malheur me dit, mon choix qu'on est gamin et qui pas besoin de mourir, comment ça fait on bagage mourir? Parce que c'est un bagage qui est inhabituel pour lui. Ça pas dans l'espace côté que la vive là, il pas de nature pour lui, pour mon bagage mourir. Non mon cher, tout bon depuis mon monde fait mon mourir. Et mais ou même koto que oui ou pas même kota moun sa yo si on a dou mon chien tel moun ta le dit mon peut-être que j'en fait moun mouri c'est comme son bagage qui pas ta dou exister pour ou ta fait moun a mouri ya. C'est dans réalité ça que m'vle pour entrer à mes frères et sœurs. M'pa kon ki expérience en jan pral fò fè matin hein, pour qu'on entre dans réalité ça yo. C'est pour ça me poser question matin me dit combien moun ki kwè et me dit ki sauve ki problème ou gen pour aller faire expérience mes frères et sœurs. Quand on chita sous l'eau, on dit un bagaille. Et on pas quoi dire des choses qui pas dans la parole. C'est des choses qui sont dans la parole à demander. C'est des choses qui dit un bagaille, c'est des choses qui dans la parole à dire. Et Dieu dans l'obligation pour que le fait arriver. Et on connaît pas où qu'a fait arriver. Mais on connaît parole aussi, c'est la parole de Dieu, il est pas capable manifester. Ça a de tout, même beau dit mon cher. Ça c'est un bagage qui est anormal pour moi. Si je dis, oui, bon frère qui a couru là, bon, il est tombé pied cassé. Côté mien, pas un pied cassé, côté que mien. Pas un bagage, ça, côté que mien. Ça, tout bagage qui est réalité terrestre, je quitte déjà. Mais m'attacher aux choses célestes, aux réalités célestes. Oui, mes frères et sœurs, vous asseoir. Je vais nous prendre juste quelques minutes. Et puis, juste pour que me termine. Amen. Alléluia. Praise God. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Donc, je voulais pour que nous entrions dans la réalité, pour que nous saisissions ça. Il dit, Christ, il faut former la pierre des fêtes pour que nous entraînions. Et puis, pyramide, il est coiffé. Pyramide est coiffé déjà. Ça veut dire l'épouse qui est arrivée là déjà. Et Jean montait déjà. En d'autres mots, l'épouse montait déjà. Oui, l'épouse qui t'a monté déjà. Amen. Donc si l'épouse montait, c'est que nous avons l'autre monde. Amen. Autre chose que m'a dit, mon petit exemple, m'a prend. Si vous avez, par exemple, vous avez acheté jouet pour tout le monde, vous avez acheté pour tout le monde, vous avez acheté un petit remote, et puis, avec un petit remote, vous avez contrôlé les lits. Peut-être si son petit machine nié ou si vous avez le contrôle là dans le main et vous faire le courir. Mais en réalité, ce n'est pas machine qui a couru, vrai. En réalité, machine, c'est juste son petit machine, petit jouet là, c'est son petit mécanique lié. Mais il y a un contrôleur qui a contrôlé tout le mouvement qu'il a fait. Contrôler pas même avec, même ni à distance, ni à l'autre côté. Et puis il a contrôlé, il a fait tout le bagage. On ne dit pas à mon côté, il a dit, regarde, petit machine qui a couru, il a dit, la machine, ça a tout pile dans la rue, il a couru. Mais moun ki wè la pou la konn son contrôle k'ap contrôle li. C'est comme ça nou yé, mes frères et sœurs. C'est comme si ou même ou c'est ti machine nan c'est mécanique lan koa et cetera. Mais gon baga k'ap contrôle tout mach kwa fè pendant pa bo site nan dimension ça. Gon baga k'ap contrôle ou. Maron si nou avèm nou. Faut nous saisir. Alléluia. Tu vas saisir un temps ou perdu. Ouais. Donc et ou gon contrôleur ou gon baga kap contrôler ou même Jean ouais l'o fait à gauche nan remote là nan mon et puis ti machine fait à gauche ti machine fait à droite etc. Mais ti machine n'est pas les cap contrôler tête n'est pas les cap fin pour tête même Jean ou même quoi ça ou même qui nan cher ça c'est mécanique l'on y est mais la ti machine là ou gon baga kap contrôler avec un remote contrôle kap contrôler c'est pas pour sans raison ou elle est pour monter monter côté que le monter a. Jean était ravi en esprit. Et côté l'esprit en mounier,
c'est censé c'est la colie. Parce que l'esprit m'a toujours dominé comme on. Si mon a un esprit de joie dans lui, ou après quoi en joie, même je t'ai pris ça tout à l'heure. Si mon a pensé à travail, même s'il a la pensée à travail, mon cher colle déjà, c'est notre travail là que dit. Si son travail fatigant, on travaille une douleur là dans lui. Mon cher côté mon hôpital, pas dans travail là non. Et vous sentez, c'est comme si douleur qui affecté mon côté que lié. Parce que côté esprit lié, esprit qui t'envoie toute bagaille. Et puis malgré esprit la distance, mais le reflété sur comme mon côté comme mon œil. Ouais, côté esprit lié là, même si Wapton pour rencontrer Jésus-Christ physiquement, chaque mouvement à fait là, chaque manière que j'en parle, j'en pense, j'en agis, comportement, les contrôler par esprit ça qui est dans la présence de Dieu. C'est pas ça que le contrôler. Et c'est ça qui fait même qu'on parle comme étant homme ou bien une femme bizarre pour les autres. C'est ça qui fait même par exemple sur notre travail, il dit madame, ça comment faire différent par rapport avec l'autre monde. Mon a même esprit sous la terre, l'esprit attaché ou bien avec les réalités terrestres, c'est normal ou toute réalité terrestre a reflété sur lui. Moi même les moi doit ouais les réalités célestes non même parce que l'esprit ou est dans la présence de Dieu. L'esprit ou là dans espace ça, dans espace éternel ça. Dans Rainbow ça, dans l'arc-en-ciel ça, c'est là l'esprit qui est. On va dire c'est nous, on va dire qu'on est qui côté l'esprit. Par comportement, par j'en agis. On va dire qu'on est qui côté l'esprit. Parce que depuis l'esprit au côté, c'est là qu'on est. C'est là la reflété sous quoi carrément. Alléluia. Mes frères et sœurs, on veut qu'on ait que nous monter. On veut pour que nous connaissions que nous entrer dans l'espace ça. Et vous êtes la femme de Jésus-Christ. Où est la caille moi? La caille moi c'est moi qui chef la caille moi. Mais c'est madame qui gère toute bagaille. Jésus-Christ est notre chef. Amen. Il est notre tête. Oh, mais c'est où même il va gérer toute bagaille. Toute bagaille sous contrôle ou là. Alléluia. Et on ne peut pas faire rien en dehors de la volonté du chef. Non, monsieur. Ce qu'on a quoi faire au lit, ou c'est subalterné. Ou a fait tout ça que le mandé ou pour faire. Et chef, non pas mauvais chef. Non. Il n'y a pas de bagaille qui est dit pour faire. Il n'y a pas de bagaille qui est impossible pour faire. Au contraire, il vient de nous entrer dans ou même il fait là avec vous. Matin, il faut qu'on ait tout le bagaille sous contrôle au matin. Monde là sous contrôle au matin. Coronavirus sous contrôle au matin. Ça t'a étonné mon frère pour dans mon père coronavirus. Alors que c'est sous contrôle ou que lié. Alors que c'est vous même à force de citer la parole, à force de témoigner la parole, ou créer des plaies. Même Jean-Maurice Campbell crée plaies. Ou même tout, ou Campbell ou crée plaies tout. Ça t'a étonné mon souffle créer mon père pour père. Maurice pas de paix, pas de paix, monsieur. Maurice pas de paix, crapaud. Maurice pas de paix, yon nan bagay ça. C'est Moïse qui t'a créé. Amen. Ça t'a été. Ou après précaution. Yo. Moïse, lorsque il a fini de passer sans ce porte là, Moïse était tout le monde était en dedans. Parce que Moïse connaît, mon cher, c'est lui-même qui a les plaies. Ça va faire Moïse Moïse dire que mon cher, je suis sorti, mon cher, moi qui a les plaies, je suis sorti, je suis dans l'autre ville, etc. Non. Maladie à Dieu, c'est vrai. Nous devons prendre précaution. C'est lui-même qui a nous précaution. Ou pour aller dans le store, pas faire négligence avec l'autre monde, qui pas mettre masque, ou mettre masque. Ou toujours laver les mains, ou toujours prendre précaution. Lors de la gas station, si vous mettez un gant pour manger un gaz là, pour pomper le gaz, faites-le. Si vous montez nu tout, car clean les mains après, clean. Mais ou pas faire, parce que vous dites, mon cher, c'est ça qui a protégé. Ou prendre les mesures de précaution. Ou pas tenter Dieu. Moïse pas jamais fait ça, malgré que c'est lui qui t'a allé plaire. Mes frères et sœurs, côté nous hier, c'est une position qui est réelle, qui est vraie, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, shalom.
Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Oui Seigneur. Dieu parle à Moïse, lui donna un message pour les enfants d'Israël. Destructeur passe, les vous êtes enfin scellés dans les inuits qu'il donne pour notre salut. Dieu soit la gloire, le sang est brassé, l'esprit manifesté. Oh, que le destructeur passe, les vous êtes enfin scellés. Oui, le sang est placé.
passer, l'esprit manifesté, que le destructeur passe, le sang est passé. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Oh, dans cette ville où l'agneau est la lumière, dans cette ville où il n'y a point de ténèbres, oh, j'ai une maison qui m'attend. Là où en dehors du temps, oh, dans cette ville où l'agneau est la lumière, oh, dans cette ville où l'agneau est la lumière, oh, dans cette ville, oh, il n'y a point de ténèbres, oh, j'ai une maison qui m'attend, là où en dehors du temps, oh, dans cette ville où l'agneau est, oh, dans cette ville. Cette ville où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette ville où il n'y a point de ténèbres. Oh, j'ai aimé. Oh, là où en dehors du temps. Oh, dans cette ville où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette ville où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette ville où il n'y a point de ténèbres. J'ai une maison qui m'attend, là où en dehors du temps, oh, dans cette ville, où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette ville, où l'agneau est la lumière. Dans cette ville, où il n'y a point de ténèbres. J'ai une maison qui m'attend, là où en dehors du temps, oh, dans cette ville, où l'agneau est la lumière. Dans cette ville où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette ville où il n'y a point de ténèbres. Oh, oh, oh. Oh, là où en dehors du temps. Dans cette ville où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette ville, oh, dans cette ville où l'agneau est la lumière. Oh, dans cette ville. Oh, dans cette ville où il n'y a point de ténèbres. Pour verrer nos jours et nuits, pas bien nous nager encore, toute tristesse.
sera fini. Parce que Jésus vient pour voir tout partout. Pour tout temps, il va nous consolation. Nous pas bien besoin de soleil. Nous pas bien besoin d'étoiles. Nous pas bien besoin d'aller pour pleurer toujours et nuit. Après tout, nager encore. Oh, toute tristesse nous va finir. Parce que Jésus qui vient pour voir tout partout. Pour tout temps, il va bah nous consoler. Oh oh, nous pas besoin de soleil. Oh, nous pas besoin d'aller. Oh, nous pas besoin d'aller. Pleurer nos jours et nuits. Oh, pas bien d'eau nager encore. Toute tristesse on va finir. Parce que Jésus il vient pour voir tout partout. Merci, Seigneur, tout le bagage est déjà fini.
Béni matin. Alléluia. Est-ce qu'on t'est béni matin? Oui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour mes messages ce matin. Dieu te choisit. Il y a encore pour te parler avec nous matin. Et pour te capable de faire nous comprendre plus. Et matin, je crois qu'il y a un pile dans nous qui tendait et comprendre. Amen. Et béni. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, brother Franz. God bless you. Alléluia. Amen. Bah, Dieu, gloire pour ça. Yes. Amen. Glory. Service de matériel. Musicien, jouez une musique pour nous et puis pendant que m'a prié, terminé. Amen. Alléluia. Coupez tête, nous, fermez les yeux. Père Céleste de Tout-Puissant, encore Père, combien nous remercions pour grâce que vous avez fait nous, Père Céleste, l'opportunité que vous avez fait nous matin pour nous être capables de réunir dans la présence. Et nous croyons que la présence de parmi nous est toujours aussi parmi nous, Père Céleste. Alléluia, manifesté, Père. Père, nous remercions pour ça. Nous n'avons pas assez de mots, Père Céleste, pour nous exprimer contentement ça. Que nous avons dans le cœur nous matin pendant que nous avons communié ensemble, Père Céleste, dans la présence. Père, nous te remercions pour les paroles que vous avez votées, pour quoi vous avez utilisé matin, Père, pour tes paroles, pour peuple, Père Céleste, qui t'a mangé des fraîches viandes matin, Père. Et nous te remercions pour ça. Nous te remercions.
merci pour chaque bien-aimé qui t'est venu là, Père, pour te venir adorer. Merci pour chaque musicien. Et merci pour chant qui t'est chanté, Père Céleste. Et nous disons merci pour toute bagaille. Nous avons assez mots encore, Père, pour exprimer contentement encore, Père Céleste, devant. Père, lorsque le moment arrive, écoutez que nous pouvons se séparer de la chair, Père, nous sommes capables de toujours qu'il nous dans l'esprit, ça, Père Céleste. Oh, toujours qu'il nous dans l'atmosphère, ça, Père. Oh, afin que nous soyons capables toujours être ancrés dans la parole, Père Céleste. Père, t'en prie, bénisse à vous qui pourra conduire, qui pourra la caille, Père. Oh, nous avons demandé que l'ange soit capable de protéger, afin que vous soyez capable de vivre en bien, Père Céleste. T'en prie, Père, nous remettons toute bagarre dans le monde, nous remettons toute réunion dans le monde, nous-mêmes qui avons activité que nous allons prendre. On va bénir nos Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. And amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Encore une fois, on est content de nous, chaque qui est venu là matin, pour venir adorer lui. Que Dieu est capable de bénir nous pour ça. On attend nous mercredi soir, pour que l'église a ouvert à 7h30, le service a commencé à 8h. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.